Toi, il y a quelque chose qui va pas. Ça se voit tant que ça. Ça s'entend. Tu restes là sans rien dire. Alors que d'habitude, tu me racontes tout ce qui s'est passé dans ta journée. Je veux pas t'embêter avec mes problèmes. Mais comment tu sais que ça va m'embêter? Si ça se trouve, ça va me changer les idées. Peut-être que j'aime bien ça, entendre les histoires des autres. Ah bon? Ça t'ennuie pas que je vienne te voir tous les jours pour parler avec toi? Quand tu viens pas, ça fait un vide dans ma journée. Je te rends service, tu me rends service. C'est assez équilibré comme relation, non? André, qu'est-ce qu'il faut faire quand à l'intérieur de soi, tout dégringole comme un château de cartes? Comme si on se sentait aussi fragile que du cristal? Quand le fait même de voir les gens marcher dans la rue est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Car les autres vivent. Et que moi, chaque jour, j'ai l'impression de mourir un peu plus. Mourir un peu plus. Patricia, ou on est en vie, ou bien on est mort. Pour l'instant, tu es où? Avec toi. Quand tu es arrivé ici pour la première fois, quelqu'un t'a déposé à l'accueil du centre. Et ce jour-là, c'est moi qui faisais le ménage au rez-de-chaussée. Quand je t'ai vu pour la première fois, tu devais avoir 5 ans. Ils t'ont laissé avec ton petit sac mauve au milieu du grand hall. Ils ont rempli des papiers et ils sont partis. Je t'ai regardé et tu m'as fait un grand sourire. Tu te rappelles de ce jour-là? Oui, je me rappelle très bien. Tu m'as fait un tour de magie. Tu as compté jusqu'à 3 et tu as sorti un bonbon de mes cheveux avec tes grosses mains. Tiens, c'est pour toi. La vie, c'est un peu comme un tour de magie. Un grand numéro d'illusion. Où on essaie de trouver des raisons, des vérités. On apparaît, on disparaît. On essaie de comprendre les astuces du magicien qui a mis en place ce grand numéro universel. T'as une réponse? Je l'attends. Un jour ou l'autre, on va rencontrer ce grand monsieur habillé de noir. Et il faudra lui demander comment il fait. Mais pour l'instant, il faut regarder le spectacle avec des yeux d'enfant. Le bonbon. Souviens-toi toujours comment tu as regardé ce bonbon. C'est ça qui est important. Ton regard sur tout ce qui est beau. Sur ce qui te fait plaisir. Alors aujourd'hui, mon bonbon, c'est toi? Si tu veux. Hé, t'as rien oublié?